De nombreux amis de Johnny Hallyday étaient présents samedi pour lui dire adieu. Parmi eux, Claude Lelouch, dont le comportement a interpellé plus d'un téléspectateur avant la prise de parole Emmanuel Macron sur le parvis de l'église de la Madeleine, à Paris. Le cercueil blanc de l'idole des jeunes avait été installé devant l'église. Laetitia Hallyday, ses filles Jade et Joy, David Hallyday et Laura Smet se trouvaient près de lui. Un autre groupe de proches du chanteur décédé à 74 ans, dont Line Renaud et Muriel Robin, se trouvaient également sur le parvis lors de ces moments solennels. Leur mine grave dénotait avec l'expression de Claude Lelouch qui a filmé avec son téléphone portable le cercueil avant de défiler devant les célébrités et d'immortaliser leur visage avec son téléphone. Son attitude a interrogé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. C'est ma dernière déclaration d'amour à Johnny le cinéaste, qui a notamment tourné l'aventure C'est l'aventure avec Johnny Hallyday, a expliqué son geste à l'antenne de BFM TV dimanche. J'ai passé ma vie à filmer Johnny. J'ai commencé à le filmer quand il avait 16 ans jusqu'au dernier jour. Je sais que hier, il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny, mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants, a-t-il expliqué avant de se féliciter d'avoir pu filmer les yeux des gens qu'il aimait en très très gros plan, ce que ne pouvait pas faire la télé. C'est ma dernière déclaration d'amour à Johnny, a-t-il poursuivi. C'était de le filmer pour offrir ça à sa femme. Hier, il y a eu 1 million de gens qui l'ont filmé. 1 million de personnes qui auront voulu emporter avec eux un bout de Johnny. Play vidéo play mutant dauphiné 000 bar oblique un dauphiné 000 load 0% progrès 0% stream type live un dauphiné 000 play back rat un chapter chapter se description description off select as subtitle un dauphiné setting open un dauphiné setting dialogue caption and subtitle off select audio track full screen un modal window point beginning of dialogue window Escape will cancel and close the window.Text color white black grand blue et yellow magenta cyan transparency opaque semi transparente background color black white or grand blue et yellow magenta cyan transparency opaque semi transparent transparente window color black white or grand blue et yellow magenta cyan transparency transparent semi transparente opaque foncise 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% texte Justible non résédé presse d'uniforme drop shadow fond family proportionnel sans serif monospace sans serif proportionnel serif monospace serif casual script small caps recette restoral setting toutes de faux values et données close modal dialogue en off dialogue window point à lire aussi hommage à Johnny Hallyday l'adieu de Laetitia Jade et Joya à lire aussi Line Renaud le goût d'aimer c'est toi Johnny qui nous l'a donné des centaines de milliers de fans venus de toute la France ont assisté à l'hommage de Johnny Hallyday samedi à Paris. Son cercueil a descendu les Champs-Élysées, escorté par des motards jusqu'à l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron a fait une allocution avant la cérémonie poignante à l'intérieur de l'église, où Patrick Bruel, Line Renaud et Jean Renaud notamment ont pris la parole. Le chanteur sera inhumé lundi à Saint-Barthélemy, île antillaise où il possédait une villa. Toute reproduction interdite.